Yo tout le monde, c'est Pixie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potons, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing Pokémon. On va tout simplement ouvrir cette boîte que beaucoup de personnes recherchent. Alors celle qui recherche particulièrement c'est cette boîte mais avec Evoli dessus, tout simplement. Mais celle-ci est tout de même pas mal recherchée, j'ai réussi à me la procurer sur eBay pour à peu près 40€ ou alors 50, je sais plus, entre 40 et 50€. Donc voilà, franchement je suis content de l'avoir reçu et on va tout simplement l'ouvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, donc voici la boîte tout simplement. Donc je vais vous la montrer plus en détail. Donc là c'est l'avant. Donc en haut on peut voir les cartes tout simplement, les cartes V Max. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un booster V Max. Et en gros dans ce booster V Max, on peut avoir l'une des cartes juste ici. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est une boîte japonaise, voilà, c'est japonais. Parce que depuis peu, j'ai acheté pas mal de trucs japonais et franchement, j'aime beaucoup les cartes Pokémon japonaises. Donc je pense que d'ici là, je vais en acheter pas mal, pas mal. Donc ça, c'était l'avant, les amis. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière de la boîte. C'est parti. Donc l'arrière est juste ici. Voilà. Tac. Donc à l'intérieur, les amis, on peut trouver du coup le booster VMAX, ces boosters-ci, voilà, et ceux-là. Ce qui fait un total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters entre guillemets normal et un booster VMAX. Donc voilà. Et donc, plus en détail, ça ressemble à ça. Voilà pour le packaging de la boîte, les amis. Maintenant, on va tout simplement passer à l'ouverture. C'est que ça reste quand même le plus intéressant. Donc, c'est parti. Alors, j'ai déjà commencé à ouvrir, hein, bien évidemment. Parti pour l'ouverture. Si j'y arrive, yes. Voilà. Tac, c'est pas facile. On ouvre et on retire tout. Voilà. Ah, ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Voilà. Donc, voilà tout simplement les boosters. Alors, ils sont... Ah ok, ils sont bloqués, on va les sortir comme ça, voilà, ils sortent de l'autre côté, ça va ça ici. Donc en booster, nous avons celui-ci, voilà, je vais vous les montrer un par un. Il faut savoir que dans les boosters français, il y a 10 boosters, il y a 10 cartes. Et dans les boosters japonais, il y en a 5. Voici le premier booster. Ensuite, nous avons celui-ci. Le poids est conséquent. Quand tu n'as jamais touché de booster japonais et que tu as l'habitude de toucher uniquement des boosters français, tu vois la différence au niveau du poids. C'est incroyable. Et ensuite, on a ce booster-là. Franchement, les boosters japonais, j'accroche mais à 1000%. À 1000%. Ils sont très très beaux. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez les boosters, les ouvertures de boosters japonais, les amis, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. J'ai ouvert une box japonaise et j'ai ouvert pas mal de boosters japonais aussi. Voilà, voilà. Donc, si vous aimez Pokémon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. J'essaie d'être le plus régulier possible. À l'époque, c'était le cas parce que j'avais fait énormément de vidéos à l'avance et entre temps, les vidéos ont été publiées. Et maintenant, je suis un peu à la bourre, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que je poste plus une vidéo par jour, parce qu'en fait ça prend énormément de temps à se mettre en ligne les vidéos sur YouTube, et malheureusement, ben voilà, c'est comme ça. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, le petit booster, très très joli. Ensuite on a le petit booster Pikachu, un Pikachu géant avec un petit drapeau feu juste ici. Voilà. Là on a ce booster-ci, très très joli. Très 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 joli. Rien que pour les boosters, j'ai envie de... Oh là, c'est tellement beau. Et le dernier booster, les amis, celui que tout le monde veut. Le booster VMAX, qui contient, comme je vous ai montré précédemment, l'une des 4 cartes VMAX. Tout simplement, magnifique booster. Je vais vraiment essayer de ne pas les abîmer, les petits boosters. On va commencer, les amis.
par le premier. Donc, on va tirer au sort. Je ne regarde pas. On va prendre celui-ci. On met tout de côté. Et c'est le... C'est ce booster. Donc, on va l'ouvrir. C'est parti. Voilà. En même temps, j'ai fait les stocks de sleeves. Parce qu'en fait, j'avais utilisé toutes les sleeves pour les cartes que j'allais mettre en vente. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique Vinted que je vous mettrai en description pour ceux qui veulent acheter des cartes Pokémon. Bon, elle est pas lourde. Et je les ai mis sous slip. Bref. On a utilisé les grands moyens. J'ai pas réussi avec les mains et tout. Donc, ben, j'ai pris le ciseau. Premier booster, les amis. Tac. Ok. Donc on commence avec ce Pokémon, voilà. Ensuite on a le crabe, ce Pokémon qu'on a vu pas mal de fois ces derniers temps sur ma chaîne. Celle-ci aussi une carte normale, pas ouf. Mais c'est pas grave les amis parce qu'il nous reste pas mal de boosters et sans plus tarder, c'est parti. Maintenant les amis, on va s'attaquer à ce booster, on va le démonter. C'est parti, ouverture. C'est parti, les amis. Donc, la première carte, la voici. Ensuite, on a la deuxième carte. Je sens qu'on va avoir une bonne carte dans ce lot. La deuxième carte, troisième carte. Et la quatrième carte, les amis. Oui, putain. Nickel. Celle-ci, elle est pas mal, mais je l'ai déjà. Et celle-ci, je l'ai pas. Elle est magnifique, franchement, magnifique petite VMAX, les amis. Un maximum de pouces bleus pour la vidéo, s'il vous plaît. Franchement, ça ferait super plaisir. Non, franchement, superbe carte, première VMAX. Et j'espère vraiment en avoir d'autres et vraiment beaucoup d'autres. Donc, c'est parti, maintenant, on va s'attaquer au troisième booster. Troisième booster. Voici le troisième booster, les amis. C'est parti, on va le déballer. Let's go. Voilà, on a ouvert le paquet. On a ouvert le booster. Let's go. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Un petit Evoli en feu. Ça fait plaisir. Voici le quatrième booster, les amis. On va l'ouvrir. C'est parti. Let's go. J'ai ouvert le booster. J'espère qu'on va avoir une VMAX. Ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Et j'ai l'impression d'avoir une bonne carte. Encore une fois dans ce paquet. Donc, on a ce Pokémon, celui-ci. Bonne carte, ça fait plaisir. Et... What? C'est... What the fuck? Il y a 6 cartes dans ce booster. Non, plus. Non, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 cartes. D'habitude, il y en a 5. Bon, bah écoutez, incroyable, incroyable. Et on a une bonne petite carte, magnifique. Donc voilà, ça fait plaisir. Maintenant, on va continuer avec les boosters. C'est parti. Maintenant, on va s'attaquer à ce booster. Let's go. On va l'ouvrir. Là. Alors, c'est là où je rate et je coupe une carte, une VMAX. Putain, les boucles que j'aurai. Tac. Hippopotas. Ou hippopotame, je sais pas. Ensuite, on a le crabe, ces petits Pokémon, celle-ci. Ok. C'est bizarre, parce que d'habitude, comme vous pouvez le voir, regarde, 3, 4, 5, on a 5 cartes. Et tout à l'heure, on en a eu 7. On continue avec ce booster. Que voilà, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, on a ce Pokémon. Ce Pokémon, désolé, je les connais pas par cœur les noms des Pokémon. Et on a cette carte qui est... Ok, on a celle-ci. Cette carte, putain, elle est magnifique. Magnifique, c'est la première fois que je l'ai, les amis, cette fois-ci. C'est la première fois, donc je suis vraiment content. Très très jolie carte. Super, franchement, pour l'instant, on se met bien. Je la mets dans la petite sleeve. On va rejoindre les autres. C'est parti pour la suite. Les amis, il nous reste deux boosters, seulement deux boosters avant le fameux booster VMAX. Il nous reste deux boosters et j'espère vraiment avoir une ou deux VMAX dans ces boosters, ça serait juste incroyable. Donc c'est parti, on va ouvrir
ce booster en premier. Voilà, on tasse bien. Parce que si on coupe une carte, je t'avoue que j'aurai clairement les boules. Je pense qu'un de ces quatre, j'achèterai uniquement les boosters pour les collectionner. Bon, bref, on verra ça par la suite. Je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, première carte, celle-ci. Deuxième carte. Troisième carte, très très belle carte à grader. Je pense que je le ferai être très belle. Quatrième carte et cinquième carte. Ok, cinquième carte. Petit dresseur. Pas ouf. Un peu déçu. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Il reste un booster. Ce booster-là. Qu'on va ouvrir. Et j'espère vraiment avoir une bonne carte. Ok, donc. On a un petit Pikachu ou Raichu, je sais plus. Ok, première carte. Deuxième carte. Que j'ai déjà. Troisième carte. Quatrième carte. Et la cinquième. Ah merde, ah non, ah les boules. Celle-ci je l'ai pas, mais ok les amis, il nous reste plus qu'un dernier booster. Le booster VMAX. Le fameux booster que tout le monde veut, que tout le monde veut. Pourquoi? Parce qu'il y a l'une des cartes, l'une des quatre cartes proposées dans le pack que l'on peut avoir les amis. J'ai l'impression d'avoir une ou deux cartes grand max. Là je la nique, putain les boules. Non, allez, on va y aller, on va l'ouvrir les amis, c'est parti. Regardez la surprise. Ah, il y en a 4. Ok, il y en a 4. Oh, putain, oui! Oui, oui, oui! La VMAX, les amis. Le Pikachu VMAX. Première fois que j'ai ce Pikachu. D'ailleurs, c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant, j'avais aucune VMAX. Et là, j'ai eu 2 VMAX. 2 VMAX, les amis. Regardez-moi ça. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va direct la mettre sous sleeve, les amis. Oh, trop stylé, putain. Une énergie brillante. 3 énergies brillantes, putain, ça fait plaisir. Celle-là, je vais te les faire grader, ma gueule. Je vais te les faire grader. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Je vais les faire grader. Donc maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le compte-rendu de ce qu'on a eu dans ce pack VMAX, les amis. On va faire le compte-rendu, je vais tout mettre sous sleeve et on va faire le compte-rendu. C'est parti. C'est parti les amis, on va tout simplement faire le compte rendu de cette ouverture. C'est parti, let's go. Donc on commence les amis avec cette carte qui est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, magnifique carte, franchement rien à dire. Bon, ensuite on a les 3 énergies électriques, voilà, qui brillent, franchement magnifique carte, il n'y a rien à dire. Ensuite on a ce Pikachu VMAX ou ce Raichu VMAX. Franchement, super beau. Cette carte-là, magnifique. Celle-ci, j'en parle même pas. Une de mes préférées. Et ensuite, on a des cartes basiques, les amis. Voilà. Donc, celle-ci, 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 celle-ci. Voilà. Je vous montre. J'ai tout mis sous sleeve, les amis. Pour les protéger. Et j'ai à peu près, ouais, 500, 600 cartes de ce style, comme ça, des basiques. Beaucoup de basiques, hein, comme à chaque fois, mais... Aussi quelques rares et tout, j'ai acheté des cartes de 1998, des 1980. Franchement, 15 autant pour moi, parce que 1980 il n'y en avait pas. Franchement, des très belles cartes Pokémon que j'ai et j'aimerais bien vous présenter un de ces 4 en vidéo. Donc voilà. Et surtout les grader avant de vous les présenter. J'aimerais vous les présenter après qu'elles soient gradées. Parce que comme ça, elles seront protégées et tout ça. Donc voilà les cartes que j'ai eues dans ce booster, les amis, juste magnifique. Et les 2 cartes que j'aimerais bien grader, il y a ces 2 là. Très très jolies cartes. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et à vous abonner, ça fait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.